Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne TedisVap. Aujourd'hui, chose qui n'est jamais arrivée sur cette chaîne, nous allons aborder Big Tobacco. Mais nous allons surtout aborder British American Tobacco et surtout le CBD. Jusqu'à aujourd'hui, Big Tobacco s'était contenté d'investir tout simplement dans le CBD. Mais en janvier 2021, une étape a été franchie. En effet, British American Tobacco a sorti son premier pod Fuse CBD Zone. Et ce pod est destiné uniquement au vapotage de CBD. Le cigarettier s'est donc lancé dans une campagne de commercialisation test dans une zone du Royaume-Uni, dans la région de Manchester, avec pour double objectif, premièrement mesurer la satisfaction du client sur le produit, mais aussi l'impact de vente sur une zone donnée. Le produit en lui-même est légèrement standard, avec une batterie Fuse et trois arômes. Nous avons de la menthe, de la mangue et des fruits rouges. Tout ça décliné en deux taux de CBD, 50 et 100 mg. Le directeur général de British American Tobacco au Royaume-Uni et en Irlande, Frederick Svensson, a souligné que c'était le premier produit BAT, British American Tobacco, à aller au-delà de la nicotine. Bon, il y a quand même une question que nous pouvons nous poser, quand même malgré tout, avec ce revirement de situation, c'est est-ce que l'industrie du tabac, la plus grosse industrie du tabac mondiale, décide de se tourner vers la cigarette électronique et le CBD dans le but d'exister, craignant peut-être une fin de la cigarette traditionnelle, ou une déclinaison tout simplement, ou alors simplement un appât du gain.